L'Android retourne automatiquement à la base pour recharger sa batterie. Comment ? Le Landroid suit le câble périphérique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Quand ? Lorsque le Landroid détecte un niveau de batterie faible, il arrête de tondre et retourne à la base pour se recharger. Comment fonctionne le raccourci ? Le raccourci permet au Landroid d'atteindre la base par des raccourcis qui permettent de gagner du temps et de l'énergie. Comment le mettre en place ? Ce raccourci nécessite le déploiement de deux bandes magnétiques perpendiculaires au câble périphérique. Lorsque le Landroid les franchit, il tourne à gauche de 90 degrés et atteint le câble de l'autre côté. Quel est l'avantage ? De cette façon, le Landroid prendra un chemin plus court et plus rapide pour retourner à la base, afin d'économiser la batterie. Est-il possible d'installer plus d'un raccourci ? Absolument, en fonction de la taille et de la complexité d'une pelouse, il est possible d'installer plusieurs raccourcis le long du câble périphérique. Les bandes magnétiques doivent mesurer au moins 20 cm de long. Et elles doivent être distantes de 30 cm l'une de l'autre. Elles doivent être centrées en fonction de l'endroit où le hors-limite est installé sur votre tondeuse.